Eh bien, salut tout le monde, c'est BMD Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de la partie 2 pour l'explosion de texte. Cette fois, je vais vous faire une vidéo pour l'explosion de texte. C'est la partie 2. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a fait une nouvelle bannière et un nouveau logo. Donc voilà, on a fait des nouvelles vidéos aussi. Donc voilà, j'ai fait la vidéo sur l'explosion de texte. Ici, il y a une template que je viens de faire. Ici, il y a le logo, notre nouvelle intro. Ici, je viens de faire une intro Clash Royale pour les intéressés. Et ici, encore une template. Donc voilà, il y a nos vidéos. N'hésitez pas à les regarder et lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Voilà, bombardez-moi cette barre d'abonnés. Et puis, voilà. Donc, pour faire l'intro, vous allez devoir avoir Photoshop et Sony Vegas. Donc voilà, Sony Vegas Pro 12, 13, 14, comme vous voulez, n'importe lesquels, ça fonctionne. Donc voilà, vous allez ouvrir Photoshop. Ensuite, vous allez devoir vous allez devoir aller dans File, New. Ici, vous allez mettre 1280 x 720. Moi, je vais mettre 5. Ensuite, ici, vous allez mettre transparent. Ici, je vais mettre fond intro. Donc voilà, enregistrer. Et ici, on va faire des petites couleurs. C'est-à-dire, des petites couleurs pour faire des couleurs ici. Vous allez cliquer sur le pinceau. Ici, vous allez cliquer juste ici et vous allez prendre le troisième. Ensuite, ici, vous allez mettre la taille du pinceau que vous voulez. Moi, je vais mettre 46. Après, si vous voulez mettre 137 ou plus petit, c'est à vous de voir. Mais moi, je vais mettre 46 ou 45. Voilà. 46. 46, c'est comme ça. Donc, voilà. Ensuite, vous allez mettre des couleurs. Comme l'intro, le texte est... Le texte est rouge et bleu, donc on va mettre du rouge et du bleu. Voilà, on va mettre du rouge. Donc voilà. Ensuite, on va mettre des couleurs un peu partout. Ensuite, on va mettre aussi du bleu. Voilà, c'était voilà du bleu à peu près comme ça. Voilà, du bleu. Et on va mettre au final du noir. Voilà, je fais ça un peu vite fait. Voilà, ça va faire un petit truc quand même assez pas mal. Ensuite, vous allez faire enregistrer sous, voilà, et face. Ensuite, vous allez mettre moi je vais mettre sur dans document, et ici voilà. Et ici, vous allez bien mettre format. Vous allez mettre bien sur PNG. Donc voilà, et vous allez mettre enregistrer. Donc voilà, ensuite pour la partie Photoshop, c'est terminé. On va bien à présent passer sur Sony Vegas Pro. Donc voilà, vous allez ouvrir Sony Vegas Pro et vous allez cliquer juste ici pour importer le fond que vous venez de faire. Donc voilà, pour moi c'est celui-là. Ensuite, vous allez prendre vous allez prendre votre fichier avec l'explosion de texte. Pour moi, c'est celui-là. Donc voilà, vous allez prendre le fond, vous allez le mettre tout en premier. Ici, vous allez prendre la vidéo et enfin l'intro et mettre en dessous. Il faut toujours mettre le fond au dessus. Si vous le mettez au dessous, ben, ça va pas fonctionner quoi. Ça va pas fonctionner. Il faut le mettre au dessus. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre une musique. Pour ma part, je vais prendre une musique. Attendez. J'ai mis où? Je l'ai mis. Attendez, la musique, je l'ai mis. Attendez, je retrouve plus la musique. Donc voilà. Attendez, je recherche cette musique. Je fais une petite coupure. Donc voilà, je viens de trouver la musique de l'intro. Donc voilà, c'était juste celui-là. Voilà, musique tuto. Ensuite, vous allez prendre cette musique et vous allez le placer juste ici. Donc voilà, moi je vais faire supprimer la piste.
Donc voilà. Ensuite, juste ici, ça va faire un truc assez. Ça va mettre la musique. Donc voilà, écoutez. Donc voilà, ça va faire un truc assez pas mal. Voilà, je vais laisser un peu de son. Ça va faire un truc assez pas mal. Et c'est pas fini. Maintenant, il reste l'animation à faire. Donc voilà, moi j'ai cliqué. Vous allez devoir cliquer sur le recadrage. Donc voilà, on va faire bouger les petits points là. Et ici, vous allez cliquer, voilà, ici. Et ici, attendez, je le mets voilà, tout au début. Donc voilà, vous allez cliquer ici. Ici, vous allez mettre, on va le faire bouger. Voilà, on va le mettre comme ça. Ici, vous allez remettre comme ça. Ainsi de suite. Et on verra ce que ça donne. Si ça fait un beau truc ou pas. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas assez bien. Enfin voilà, il faut. C'est pas assez bien cadrer le truc. On va réessayer. Donc voilà, il faut que ça soit bien synchronisé avec la musique. Voilà, encore. Ici, je vais mettre. Donc voilà, on va regarder. Voilà, c'est pas bon. Il va falloir déplacer. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et ensuite ici vous allez faire, vous allez sélectionner ça, vous allez faire copier et vous allez le coller. Désolé, je supprime ça. Vous allez coller ici et on verra ce que ça donne. Voilà, il faudra encore faire coller et voilà, le truc est fait. Assez bien fait le truc. Il y a un petit bug, enfin je sais pas où, mais il y a un bug. Voilà, on va remettre ça comme ça. Donc voilà, on va regarder. Donc voilà, c'est le fond. Putain, c'est à propos de là qu'il y a un bug, je pense. Donc voilà, il faut le replacer. Donc voilà, on va bien le replacer, on va regarder. Donc voilà. Donc voilà, je fais une petite pause, je vais regarder d'où le bug vient et puis voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens juste de retrouver le bug. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, j'ai replacé les trucs bien comme il. Donc voilà. Je vais regarder.
voilà, ensuite quand c'est ça c'est fait, vous allez mettre des fondus. Donc voilà, moi je vais mettre au début comme ça. Donc, voilà, ça aussi pareil, ça aussi, ça aussi et ça aussi. Ensuite vous allez regarder. Donc voilà, ensuite quand ça c'est fait, vous allez devoir l'extraire. Vous allez cliquer juste ici, rendre en tant que, ou vous allez aller dans fichier et rendre en tant que, c'est la même chose. Donc voilà, ici moi je vais le mettre dans vidéo et je vais mettre tuto partie 2. Donc voilà, ici, sauf que je vais pas mettre ça en fichier vidéo, c'est bizarre qu'il me met ça comme ça, hein. Extrêmement bizarre. Donc voilà, on va aller dans main concept avec le MP4 AVC et on va cliquer sur internet HD 1080p. Ensuite vous allez cliquer sur rendre. Donc voilà, je fais une petite coupure, on se retrouve juste après quand ce sera terminé. Donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, quand ce sera terminé, il y aura marqué 100%. Et on va donc voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous mettrai le rendu total à la fin de la vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo et à commenter pour dire ce que vous avez aimé de cette vidéo et ce que vous attendez de notre chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas encore à regarder nos dernières vidéos. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je vous dis ciao.